pay my I think they forced you to come with a gun. No, not at all. I was Nobody horrified when I heard they invited actors. And my great respect thank for you. What you are. Thank what you very done. Much. Thank you very much. I thank I feel you. The what same way about you. I tell her anyway that I'm better. You tell her. Thank you thank very, very much. Thank you. Miss Katharina Byrne, quel a été votre sentiment en acceptant de tourner les Troyennes? What was my point of view? No, what were your feelings when you accepted to do it? You know, to play a part. Un grand privilège, n'est-ce pas? Oui. Je sais aussi que Katianis comprendre les femmes troyennes. Qu'est-ce que c'est? Les femmes troyennes. Oui. Parce que moi, je ne comprends pas beaucoup. Je n'ai jamais fait une tragédie grecque. Jamais fait. Je fais la distribution, je l'ai rencontré à New York, je lui ai dit, avant de mettre la production en pied, je dis, Madame Hepburn, vous acceptez, vous voulez jouer le rôle. Quand elle a dit oui, j'ai déclenché le film, pas avant, parce que je la connais aussi comme personnalité, et ça c'est très important, l'être humain qui joue un rôle pareil. Parce que avec beaucoup de talent même, si on n'a pas la personnalité juste, si on n'a pas la côté profonde comme ça, pour jouer ce rôle, ça n'arrive pas. Alors elle dit qu'elle a fait ce que je demandais. Je suis très profonde. Non, mais la vérité est qu'elle a joué, si vous voulez, elle a trouvé Cube dans elle-même. Ce n'est pas un personnage qu'elle a pris de l'extérieur. Les acteurs n'arrivent pas comme ça. Oui, oui. Mais ça, c'est difficile pour moi de comprendre, de jouer ce rôle, qui est un grand rôle, vous savez, dans un grand pièce, avec simplicité. Ça, c'est difficile. Et je comprends, premièrement, je ne suis pas sûre si c'est nécessaire de jouer comme ça, parce que ça, dans le film, ça, c'est pas très intéressant. C'est sûrement intéressant de voir le cœur et la pensée dans le visage d'une personne, n'est-ce pas? Oh. Et le vérité simple. Maintenant, en Vietnam, j'ai vu beaucoup de photos des femmes. C'est pas une sentimentale, c'est pour vivre, pour faire manger les enfants, pour vivre, seulement pour vivre. Est-ce que Michel Kakoyanis est un directeur d'acteurs exigeant? Qu'est-ce que c'est exigeant? Très exigeant. Moi, ça me plaît beaucoup. Néanmoins, vous vous êtes parfaitement entendu. Oui, oui. Vous en êtes sûr, on peut vous le garantir. Oui. Il a une oreille parfaite pour le moment. Ça, c'est très important. Moi, je pense parfaite parce que le moment pour lui et le moment pour moi, c'est la même chose. Et ça, c'est très important.